Où est la clé? La clé, elle est dans la serrure. Tu la laisses toujours sur la porte. Mais où est la porte? La porte, elle est en face de toi. Et la clé, elle est dans la serrure. On n'a pas le choix, il faut le mettre en EHPAD. Ton père, avec sa retraite de prof, peut pas souffrir. Et personne dans la famille n'a ce type de moyens. Qu'est-ce qu'on va faire de tous ces livres? Bah, je sais pas. Les donner ou les jeter. Mais ces livres, c'est toute sa vie. C'est bien ici pour M. Kinsler? Oui, c'est ici. Vous êtes son ex-femme. Je vais le mettre dans le fauteuil, comme ça il aura pas marché. Ce qui était terrible pour lui, c'est de se rendre compte que c'était son cerveau qui se détraquait. Parce que toute sa vie, il l'avait consacré à la pensée. Sandra Kinsler? Oui. Vous êtes la fille de Georg Kinsler? Oui, c'est moi. Tu fais un prof génial, ça m'arrive encore de relire ses cours. Pardon, au revoir. Moi, tu me vois? Ah, bah oui, bien sûr, oui, je te vois. Et est-ce que tu peux me dire si j'ai les cheveux courts ou longs? Ils pourraient être longs. Clément? Je te reconnaissais pas avec les lunettes. J'aurais jamais cru que ce serait possible entre nous. Que je pourrais te désirer autant. On va devoir le mettre dans un EHPAD privé en banlieue en attendant mieux. Il faut que vous alliez le voir avec ta sœur. Martha? Oui. Tête de mort. Ça me fait mal de penser que tu vas retrouver ta femme. Reste avec moi.